Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle de la H24, qui est une voiture laboratoire qui a été développée par la co-entreprise entre Green GT et l'Automobile Club de l'Ouest. Et elle a été testée sur le circuit du Mans. Elle s'appelle la H24. Et c'est la voiture à hydrogène la plus rapide jamais chronométrée. Alors, elle est appelée à courir dès 2025 dans une nouvelle catégorie des 24 heures du Mans, ouverte aux voitures qui sont bien sûr propulsées à l'hydrogène. Ça s'appelle le LMPH2G. La H24 est équipée d'une pile à combustible qui lui permet donc d'alimenter deux moteurs développant un pic de puissance de 952 chevaux, nous dit l'article de 20minutes.fr. Elle a été flashée par le speed trap du circuit à la vitesse de 291 km par heure et la télémétrie embarquée de la voiture a relevé une pointe de 292,8 km par heure. Or, d'après le pilote, dans des meilleures conditions, donc sous le soleil et avec deux tours de plus pour chauffer les gommes, la barre de 300 km par heure aurait été franchie. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.